Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. 10e édition de la Journée internationale de la radio ce samedi 13 février 2021. Une journée peu considérée selon certains. Cette situation ne passe pas inaperçue aux yeux des médias. Leur réaction, c'est dans ce journal. Nous irons à l'intérieur du pays. Ismaël Nanfo-Diaby fait encore parler de lui. Il a démenti ce vendredi sur un communiqué du Haut Conseil islamique du Mali qui a dénoncé sa conduite islamique. Vous l'entendrez dans ce journal. Projet de sport pour les jeunes guinéens. Le premier directeur sportif de l'Académie de football KPC a été présenté ce vendredi à la presse. Les échos dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Le parti UFR du président Sidya Touré a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 13 février 2021. Beaucoup de sujets sur l'actualité sociale et politique en Guinée ont été abordés. Bintou Souma et Moustapha Diané pour plus de détails. Actualité oblige, le déguerpissement des emprises des voies publiques à Conakry a été le sujet dominant de cette rencontre au siège du parti UFR à Matam. Même si le secrétaire exécutif du parti n'est pas contre ces casses engagées par Alpha Condé, il demande quand même de diminuer la frustration des citoyens. Personne n'est contre qu'on démolisse les emprises des routes parce que ça donne de l'air. Il faudrait toujours minimiser la frustration. Quand vous avez perdu 10 millions, si on vous donne 1 million, c'est qu'il y a une intention. Mais vous démolissez, vous mettez les gens au chômage et vous ne faites rien pour les arranger. Je suis désolé, c'est de la mauvaise gouvernance que nous subissons. Ces politiciens ont fait cas des conséquences de cette opération engagée par l'État pour redorer l'image de la capitale Conakry. On est en train de préparer des nids de banditisme. Les commerces qu'on est en train de casser le long des routes, les maisons qu'on est en train de casser, quand, si les gens n'ont pas où loger, quand les gens là où ils avaient l'habitude, ils avaient des petits cafés où ils gagnaient 50 000 francs, 100 000 francs par jour, ils vont se retrouver avec 0 franc. Et c'est là le problème va commencer. Alors ceux qui ont cherché de l'argent pour aller construire, on est en train de casser ces gens-là. Et ceux qui habitent dans la maison de l'État, ils sont pas inquiétés. C'est le 2.2 millions. La sortie vendredi des frustrés du RPG, qui réclament leur prise en compte dans la gestion du pouvoir, s'est invitée à cette assemblée ordinaire de l'UFR. Ce qu'Alpha n'a pas pu faire pour eux pendant les 10 ans, il ne peut pas le faire pour eux. L'une des raisons, c'est quoi? Dès qu'Alpha est venu, il s'est entouré des personnes qui ont pourri le système côté. Les membres du parti de Sidya Touré n'ont pas manqué de saisir l'occasion à profit pour inviter ces militants qui se disent abandonnés à eux-mêmes par le parti au pouvoir à venir grossir les rangs de l'UFR. Les militants du parti RPG Arc-en-Ciel ont apprécié différemment ce samedi la sortie des membres du collectif des frustrés de cette formation politique qui réclament leur part du gâteau au sein du gouvernement. Ils s'expriment au micro de Yaya Barry et Moustapha Diané. Chacun a droit de réclamer ses droits. On n'est pas contre eux, mais nous les militants de RPG, surtout la jeunesse de la SIG, on est derrière le RPG, on est derrière le professeur. Le professeur n'a qu'à essayer de voir ceux qui sont filtrés, de voir leur cas aussi. Et leurs revendications, ça les engage. Bon, moi quand même j'ai d'avis. Parce que d'une part, là, la politique est une question d'intérêt. Le professeur Alpha Condé, on le soutient derrière, nous sommes derrière lui. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes là d'abord pour le bon développement de ce pays. Et tout ce qui est bon pour le pays. Si c'est l'avantage de ce pays, on le soutient. Il ne peut pas aider tout le monde, il ne peut pas faire avancer tout le monde. Voilà, bon, je ne partage pas le même avis qu'avec eux. Moi, ce n'est pas ça. Nous, le RPG, ce n'est pas pour dire que on n'a pas voté pour lui. Si tu as voté quelqu'un, tu votes lui, laisse lui faire. Si tu as confiance à lui, tu laisses faire ce qu'il a à faire. Nous, même pour la RPG militaire. Ce que je peux dire aux militants du RPG, l'être humain ne peut pas penser à tout le monde. Mais c'est ta façon de travailler qui détermine qui tu es. Le président de la République a fait beaucoup parmi ceux qui ont travaillé pour lui. Il a récompensé certains, d'autres non. Mais moi, le travail qu'il fait me plaît. Nous connaissons à la barre du monnaie.
Les membres du parti Bloc libéral ont célébré les 8 ans de cette formation ce samedi 13 février 2021 à leur siège au quartier Lambayi dans la commune de Ratoma. Le bilan des 8 années de gestion et les perspectives ont été présentés. C'est un compte-rendu de Oumar Kondé et Fatmata Binta Diallo. 2013-2021, cela fait 8 ans depuis que le parti Bloc libéral a obtenu son agrément pour exercer sur la scène politique guinéenne. L'événement a été commémoré sous le thème « La conquête du pouvoir, par le peuple et pour le peuple ». Ce membre du bureau politique dresse le bilan. Il a fallu attendre le 11 février 2013 pour que le ministre d'alors se décide enfin de délivrer cet agrément. En 2019, le président du Bloc libéral et les siens, exaspérés par les grèves intempestives dans le secteur éducatif et l'installation des PA dans les communes réputées proches de l'opposition guinéenne, décident d'organiser une grève de la faim à l'esplanade du stade de 28 septembre. Mais il va se heurter au refus des autorités communales de mener cette activité à Dixine, dont le maire est pourtant issu de l'opposition. De la même année, le Bloc libéral conteste la prorogation du mandat des députés par décret présidentiel. Le parti s'insurge contre toute allégation en faisant un sitting devant l'institution parlementaire. Présent à cette cérémonie, le chef de file de l'opposition parlementaire a magnifié le combat et la détermination du Bloc libéral en Guinée. Il a rappelé à ses détracteurs qu'il faut aussi savoir se poser autrement. On a dit l'opposition, on va aussi s'opposer autrement, c'est notre slogan. Donc, ça veut dire que c'est une opposition réfléchie. Une opposition civilisée, ce Dr Faya, n'est-ce pas, et ce membre-là. Donc aussi nous appelle, et n'est-ce pas, aujourd'hui pour cette grande cérémonie, on est tenu, obligé de venir répondre, venir féliciter, l'encourager de tout ce qu'il attend de faire. Pour sa part, le président du parti a évoqué les crises politiques que traverse la Guinée après chaque élection. Évoquant la position actuelle du BL, il soutient qu'il était important de reculer pour mieux sauter. Si nous y croyons à cette philosophie politique, il reste que le travail à faire pour atteindre ces objectifs reste encore immense et même incompris. Nous en avons eu l'expérience 17 fois de suite depuis 1993. Lors des élections communales, législatives, présidentielles et référendaires. C'est pourquoi, devant ce drame, il nous paraît important de prendre une pause pour nous poser des questions. Devons-nous continuer à privilégier la politique politicienne avec tous les dangers qu'elle représente pour les citoyens qui croient en nous? Devons-nous sacrifier la dynamique de l'unité nationale? La commémoration de ce 8e anniversaire du Bloc libéral a enregistré la présence de plusieurs partis politiques, notamment le RPG Arc-en-Ciel. Un gâteau d'anniversaire a été coupé pour agrémenter la fête. Comme annoncé, ce samedi 13 février 2021 marque la 10e édition de la Journée internationale de la radio. Nouveau monde, nouvelle radio, évolution, innovation, connexion est le thème choisi cette année pour célébrer ce média. Mais cet événement passe inaperçu en Guinée. Une situation que dénonce un membre du syndicat de la presse privée de Guinée. Le point avec Yaya Moubari et Ibrahima Khalil Sylla. Célébré sous le thème « Nouveau monde, nouvelle radio, évolution, innovation et connexion », la Journée internationale de la radio passe sous silence en Guinée. Une situation que déplore ce membre du syndicat de la presse privée de Guinée. Il faut dire que le gouvernement, ce sont ces genres d'occasions qu'il faut saisir pour prouver
non seulement à la presse, mais aussi à l'opinion publique que nous tenons à la liberté de la presse. C'est pourquoi nous accordons toute l'importance à cette journée liée à la radio. Mais très malheureusement, ce n'est pas le cas. Cela veut dire qu'on a toujours d'autres, on a plutôt d'autres préoccupations qui ne soient pas les soucis de respecter le fonctionnement des médias dans notre pays. Cet autre journaliste se réjouit de la célébration de la radio, vu son importance dans la rapidité du traitement de l'information. Vous savez, la radio, sa place, elle est importante auprès de notre communauté. C'est le moyen le plus facile pour ces citoyens d'accéder à l'information. Donc, voir que l'UNESCO dédie une journée entière à la célébration de cette radio, ça ne fait que nous réjouir parce que nous, c'est la radio qu'on connaît. Ce professionnel des médias, de l'audiovisuel, interpelle les journalistes guinéens à plus de responsabilités dans l'exercice de leur profession. À l'endroit des journalistes, il faut dire qu'ils ont un grand rôle à jouer. C'est vrai qu'on a dit que la radio va continuer à vivre, mais pour que cela soit, il faudrait que les travailleurs soient capables de relever un certain nombre de défis, notamment celui de chercher à s'adapter à l'évolution du moment. Et il faut dire que la formation, il faut une formation solide pour pouvoir être un bon journaliste de la radio. Plus que jamais, nous avons besoin de ce média universel, ce média humaniste, porteur de liberté. Sans la radio, en effet, le droit à l'information, la liberté d'expression et avec elle, les libertés fondamentales seraient affaiblies, a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion de cette journée. En Guinée, l'hypertension artérielle est devenue un véritable problème de santé publique. Les causes de l'hypertension sont multiples et le traitement dépend de ces causes. Toutefois, il est important de faire attention à certains signes qui doivent alerter nos reporters Maria Babari et Ibrahima Paye Camara. L'une des premières causes de mortalité dans le monde est l'une des raisons de consultation en Afrique. L'hypertension artérielle est une complication qui ne se soigne pas, mais qui se maîtrise et se gère. Cette complication des maladies cardiovasculaires est causée par plusieurs facteurs, explique Dr Ben Youssouf Keïta. Quelqu'un qui est stressé, qui ne dort pas bien, peut faire l'hypertension artérielle. Ça, c'est psychologique. Il y a les causes physiologiques et il y a aussi les causes hygiéno-diététiques. Quelqu'un qui mange beaucoup gras, beaucoup sucré, a des risques d'avoir des plaques de graisse, c'est-à-dire le cholestérol qui se dépose dans les artères, réduisant le diamètre des artères et produisant l'hypertension artérielle. Les symptômes de l'hypertension artérielle sont entre autres les maux de tête, les vertiges inhabituels ou encore des vomissements en jet. Par ailleurs, pour prévenir cette complication, ce médecin conseille. Pour éviter, il faudra que vous fassiez d'abord le sport. Au minimum, 30 minutes de sport par jour. Vous allez éviter les problèmes cardiovasculaires, donc vous allez éviter une hypertension artérielle. Quand vous mangez, ne mangez pas trop gras et ne mangez pas trop sucré. Parce que le dépôt de triglycérides va favoriser l'augmentation du cholestérol. Le traitement approprié à l'hypertension artérielle dépend des causes liées parfois à l'augmentation du volume sanguin ou d'autres fois à celle de la résistance des vaisseaux sanguins, confie Ben Youssouf Keïta. Comme je vous le disais au sommaire à Cancan, Ismaël Nanfo Diaby a démenti ce vendredi sur un communiqué du Haut Conseil islamique du Mali qui a dénoncé sa conduite islamique. Ce conseil avait invité le ministère malien en charge des affaires religieuses ainsi que le gouvernement à tout faire pour mettre hors d'état de nuire le chroniqueur guinéen Abdoulaye Nkoya Silla et Nandama Kourouma depuis Cancan.
Ce communiqué du Haut Conseil islamique du Mali, relayé sur les médias, intervient une semaine après le départ de Nafo Ismaël Gabi du Mali. Il assure que ce communiqué ne lui fait ni chaud ni froid. Une semaine après mon retour à Cancan, j'ai appris par voie de presse et à travers les réseaux sociaux, à travers une prétendue déclaration, que je suis menacé d'expulsion en terre africaine du Mali par le Haut Conseil islamique du Mali à l'insu de son président, Ousmane Madane Aïdara. Toute déclaration de ce Haut Conseil sans son président ne me fait ni chaud ni froid. Désormais persona non grata au Mali, le chroniqueur jure qu'en tant que citoyen ouest-africain et imam panafricain, qu'il se sentirait toujours chez lui à Bamako. En tant que citoyen de la CEDEAO et imam panafricain, je me sens chez moi à Bamako sur la terre africaine du Mandé. Et aucune mesure illégale ne peut être prise par les autorités maliennes contre un mandéka contre moi, sous injonction des membres des sectes soumises aux caprices de leur maître étranger. Pour son séjour dans la capitale malienne, il dit avoir été bien traité. D'ailleurs, il fait savoir qu'il est rentré à Cancan depuis le 6 février 2021. Je rassure mes frères et sœurs musulmans africains que j'ai été bien traité au Mali et que je suis chez moi à Cancan depuis le samedi 6 février dernier au petit matin. Au cours de son séjour au Mali, Nafo dit avoir été sollicité pour diriger des prières en Maninka dans la mosquée du guide spirituel Ousmane Madane Aïdara de l'association en Chardine à Bamako. Sport pour finir, le premier directeur sportif de l'Académie de football KPC a été présenté ce vendredi à la presse. Les premiers enfants à former seront recrutés en septembre et octobre prochain. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Ibrahima Soribari. Thierry Guillou, c'est le nom du tout nouveau directeur sportif de l'Académie de football KPCI. Le président directeur général de ce centre de formation revient sur le bien fondé de ce projet pour les jeunes Guinéens. Je l'avais annoncé il y a très longtemps que nous travaillons dans le football pour y apporter quelque chose dans la durée. Pour moi, ce n'était pas une course de vitesse, c'était une course de fond. Le conseiller de Kelfala Person Camara explique les critères qui ont prévalu pour le choix du tout nouveau premier directeur sportif de cette académie. Nous avons ouvert un appel d'offres international et on a reçu des dizaines de candidatures. Et le fait de recevoir des dizaines de candidatures, pour nous, a quelque chose de rassurant. Ça veut dire que le projet est crédible. À la suite de cela, il nous est apparu que la candidature de M. Guillou était celle qui répondait le mieux à notre objectif de départ et aux critères qu'on avait mis en place. Conscient des défis à relever pour honorer, Thierry Guillou dit son objectif. Mes missions seront diverses, elles concerneront le recrutement des jeunes joueurs qui intégreront cette académie. La partie formation avec la mise en place des entraînements, la partie médicale, c'est-à-dire tout le suivi sportif de haut niveau d'un point de vue médical des jeunes joueurs, et également tout le volet de la vie au sens et à la partie éducative et leur vie hors football. Ce centre de formation est bâti sur un espace de 13 hectares. Il se trouve à Kourira, dans la préfecture de Dibrika. La rentrée de la première promotion est prévue pour le mois de septembre et octobre prochain. Selon les promoteurs, seuls les enfants nés en 2008 et 2009 seront concernés pour ce premier recrutement. Voilà, c'est tout élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.